Une femme qui promenait son chien l'a retrouvée il y a une heure. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Je croyais que t'avais dit que la victime avait un chien. Désolé, ça captait très mal. J'étais en bas de la falaise. Et la femme avec le chien l'a trouvée où exactement? Au pied des marches. On a son identité. Oui, on a retrouvé son sac. Elisabeth Swan, la quarantaine, enseignante. Elle portait une alliance, donc probablement mariée. Elle a chuté dans les escaliers apparemment. Toute seule? Où elle a été poussée? Les marches sont abruptes, elles devaient être glissantes, il a plu non-stop. Oh, oh bah, t'as vu juste quand t'as dit qu'elle pouvait être glissante. Oh. Je parie que Monsieur Joyeux est ravi de toute cette pluie. J'espère que tu vas nous donner des éléments utiles, Malcolm. Et pas que des excuses. Vous avez conscience que la pluie a dû effacer la plupart des preuves, n'est-ce pas? Je te savais pas du genre à te laisser intimider par un petit crachin, mon grand. Elle est morte depuis 12 à 18 heures. Donc le décès s'est produit hier entre 8 heures et 14 heures. Tu saurais nous dire comment elle est morte? Eh bien, les marques sur son visage indiquent qu'elle est tombée face contre terre. Oh! Donc tu veux dire que quelqu'un a retourné son corps, c'est bien ça? Si je le savais, je vous l'aurais déjà dit, vous ne croyez pas? Elle a pas mal d'ecchymoses sur tout le corps et ses mains présentent des blessures importantes. De toute évidence, elle a tenté de se protéger dans sa chute. Mais je n'ai pas encore pu déterminer la cause du décès. Et tu ne peux pas nous dire si elle a été poussée? Non, pas encore. Je pourrais le savoir une fois que je l'aurai examinée plus en détail au labo. Et on n'a vraiment pu retrouver aucune preuve? Après 18 heures de pluie et d'un vent de force 8... Ah oui, Malcolm, on sait que c'était la tempête, c'est bon. Plutôt isolé comme endroit. Personne ne penserait à vous chercher ici. Viens, on y va. Est-ce qu'on a l'adresse de sa famille? Oui, c'est une ferme, dans les environs de Brignol. D'accord, merci. Elisabeth Swan était directrice adjointe à l'école primaire de Wellstood, qui se trouve à environ 5 km de là où on l'a retrouvée. D'après toi, que faisait cette enseignante à se promener loin de l'école, à 11 h du matin, en pleine semaine? Thank you.
Vas-y, rattrape-le. Pardon ? Pourquoi t'aimes bien courir, non ? C'est pourquoi ? Je suis désolée, Manchot. Inspectrice chef Vera Stanhope, police du Northumberland. Je suis ici au sujet d'Elizabeth Swann. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je dois appeler Phil ? Phil, c'est son mari, c'est ça ? C'est mon fils. Dans ce cas, Madame Swann, j'ai bien peur d'avoir de très mauvaises nouvelles. Ses élèves l'adoraient. Ils vont être anéantis. Elle coulait sous les boîtes de chocolat à la fin de l'année. Je vois que votre fils était dans l'armée. C'est là qu'il a rencontré Lizzie. Elle enseignait dans une école militaire. Quand est-ce qu'il a quitté le service ? Ça va faire 7 ans, à cause d'une blessure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a fait une chute ? Phil. Inspectrice chef Stanhope, je suis vraiment navrée pour votre épouse, Monsieur Swann. On ne sait pas exactement ce qui a pu se passer, mais nous avons des raisons de penser qu'elle n'était pas seule. Quelqu'un l'aurait poussée. Non, j'ai pas dit ça. Il peut très bien s'agir d'un accident. Mais nous envisageons toutes les éventualités. Je peux savoir ce que vous vous êtes dit lorsqu'elle n'est pas rentrée hier. Quoi ? C'était hier. Oui, c'est hier qu'elle est morte. Vous n'aviez pas remarqué son absence ? On est tous seuls à travailler avec Phil. On était complètement débordés hier. Vous n'aviez pas remarqué, Monsieur Swann ? En ce moment, je dors dans la chambre d'amis. D'habitude, quand elle rentre, je suis déjà endormi. C'est plus pratique comme ça. Donc, elle est restée toute seule. Toute la nuit. D'après vous, est-ce que quelqu'un aurait pu avoir des raisons de s'en prendre à votre femme ? Non. Non. Tout le monde l'appréciait. Et est-ce que ça vous dit quelque chose, l'endroit où on l'a trouvée ? Westwood Point ? J'en sais rien. Je sais juste qu'elle allait courir parfois avant l'école. Elle faisait l'aller-retour tôt le matin. Non, elle n'était pas allée courir. Elle avait sa voiture. Sa voiture ? Est-ce que vous reconnaissez ce porte-clés, Monsieur Swann ? C'est celui de Lizzie. Il manque les clés de sa voiture. Je dois prévenir les filles. Les filles ? Oui, nos deux filles. Elles sont à Newcastle. Fernie est nourrice à domicile. Sarah est allée la voir, elle y est depuis samedi dernier. J'envoie une voiture chercher les filles, on s'en occupe. Ne leur dites rien. Je m'en charge. Il faut que je sois auprès d'elles, excusez-moi. Si ça ne vous dérange pas, je vais aller jeter un coup d'œil à l'étage, mon chou. Personne n'a aperçu la voiture. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils ne dormaient pas ensemble ? S'il a besoin de se reposer, ça ne choque pas. Ses vêtements sont toujours là. Ah. Je veux qu'on analyse ce portable, il faut l'envoyer au labo.
fille. Approchez. On va les laisser un peu tranquilles. Je sais. Allez. J'arrive pas à y croire. Pauvre Lizzie. Vous étiez proche ? C'était l'une de mes meilleures amies. On s'est connus dans notre ancienne école et on est venus ici ensemble. C'était quelqu'un de merveilleux. Ah, oui. Sa famille doit être anéantie. Je savais pas qu'elle était suicidaire. Suicidaire ? Oui. Enfin... Vous avez dit qu'on l'a retrouvée en bas de la falaise de Wellstone Point et comme elle avait été mise à pied, j'ai... Oh. Elle avait été mise à pied. Et ça date de quand ? Il y a 3 jours. Lundi. Vous croyez que c'est quelqu'un qui a fait ça ? Pourquoi vous nous demandez ça ? Il y a eu un incident. Quel genre d'incident ? Elle soupçonnait un des parents d'élèves de maltraitance. J'étais absente, mais Lizzie l'a signalé aux services sociaux vendredi dernier. Ils ont diligenté une enquête pendant le week-end. Elle ne faisait que son travail, je suppose ? Pas vraiment. Le père est venu me voir lundi et il était furieux, hors de lui. Après son départ, j'ai parlé à Lizzie. Et là, j'ai compris qu'elle avait dit des choses inexactes aux services sociaux. Ah oui ? Comment ça ? Elle avait mal interprété ce que l'enfant lui avait dit. Et elle n'avait fait aucun rapport écrit. Donc vous l'avez mise à pied ? Oui. Pourquoi l'a-t-elle dénoncée aussi vite ? Parce qu'elle s'inquiétait pour Omar. Elle a dit que ça lui était égal si elle avait mal fait. Parce qu'elle se devait d'intervenir. Est-ce que vous pourriez nous donner l'identité de ce monsieur ? Si vous attendez encore 5 minutes, vous allez le voir. Alors, t'as marqué plein de buts aujourd'hui ? Hein ? Je suis sûr que oui. Monsieur Hassan ? Oui ? Police du Northumberland. Vous avez 1 minute ? Une seconde. Voilà, va aller. Nous enquêtons sur la mort d'Elizabeth Swann. Elle est morte ? Mais c'est affreux. Nous avons cru comprendre qu'il y a eu des tensions entre vous la semaine dernière. Ah oui, et là, je me sens vraiment très mal. J'étais bouleversé à cause de Marie. J'en veux pas à Madame Swann, elle faisait juste son travail. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vue ? Lundi dernier. Tu peux l'emmener chez toi si tu veux. Écoutez, il faut que j'emmène Omar quelque part. Je lui ai promis de le faire juste après l'école. Et où est-ce que vous l'emmenez ? On va déposer des fleurs sur la tombe de sa mère. Oh, je suis vraiment désolée, Manchot. On ne va pas vous retenir plus longtemps, mais nous vous recontacterons. Je suis vraiment désolé pour Madame Swann. Alors, notre victime s'appelait Elizabeth Swann, surnommée Lizzie, âgée de 42 ans. Une enseignante très appréciée de ses élèves. Son corps a été retrouvé au pied de la falaise de Wellstone Point hier. On pense qu'elle se trouvait là depuis environ 18 heures. On a retrouvé son sac à main quelques 30 mètres plus loin sur les rochers. Et il semblerait que rien ne manquait parmi ses effets personnels, excepté la clé de sa voiture. Une voiture que nous n'avons toujours pas retrouvée. Autre chose, la disparition de la victime n'avait pas été signalée, car son mari et sa belle-mère étaient totalement absorbés par leur travail à la ferme. Ils n'ont tout bonnement pas remarqué qu'elle n'était pas rentrée. Sa collègue nous a dit qu'elle avait été mise à pied pour avoir fait un signalement de maltraitance auprès des services sociaux sans suivre la procédure. L'enfant concerné est un petit garçon qui s'appelle Omar Hassan. Son père, Mohamed Hassan, était fou de rage après ses accusations et donc le lundi suivant, il s'est présenté à l'école dans le but de se plaindre. Oui, il faudrait vérifier si cette accusation était fondée ou non. Jack, contacte les services sociaux, vois si tu peux avoir des infos. Oui, madame. On sait aussi qu'il y avait quelqu'un d'autre avec elle, parce que, visiblement, son corps a été retourné. Et il est peu probable que ce soit la promeneuse qui l'a retrouvée qui ait fait ça. Oh, Marc, tu as trouvé quelque chose concernant la voiture ? Non, aucune trace. La voiture a été repérée nulle part durant les dernières 36 heures. Elle s'est volatilisée. Oui, enfin, ça m'étonnerait que ce soit l'œuvre d'un magicien. Tiens, essaie de voir si ça peut t'aider. C'est un vieux ticket de stationnement que j'ai retrouvé dans sa chambre. Ah, ça date de lundi dernier ? Je vais vérifier, madame. Super, merci. Kenny, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous intéresser au niveau des antécédents de la famille ? Ils sont blancs comme neige. Phil Swann a pris sa retraite de l'armée il y a 7 ans à cause d'une blessure provoquée par l'explosion d'une bombe artisanale en Afghanistan.
Il a même reçu une médaille. Il est revenu pour reprendre la ferme familiale il y a 7 ans. Et la malchance semble ne pas vouloir le quitter. J'ai fait des recherches. Il y a 1 an, il a perdu son frère Ryan dans un accident de voiture dans lequel sa fille Zara a été grièvement blessée. Mais cette pauvre famille, et maintenant ça? C'est déjà tellement dur de se remettre d'une telle tragédie. Mais franchement, c'est étrange de ne pas remarquer que sa propre femme n'est pas rentrée de la nuit, n'est-ce pas? Et si Lizzie n'allait plus à l'école, où est-ce qu'elle allait? Marc, je veux que tu le découvres. Vérifie ses déplacements ces 15 derniers jours. Oui, madame. Kenny, vérifie ses comptes bancaires et ses relevés téléphoniques. Jack, appelle la scientifique, je veux savoir où ils en sont avec le portable. Oui. C'était Malcolm? Oui, il nous attend. Parfait. Malcolm? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai une idée assez précise de ce qui s'est passé. J'aime pas trop ce « assez précise ». Vous pouvez mettre ça sur le compte de la pluie. Alors, on a retrouvé des traces faites par les semelles de ses chaussures sur les marches, juste là. Donc, elle a bien été poussée? Tirée. Je crois qu'elle remontait les marches quand quelqu'un a attrapé la lanière de son sac par derrière. J'ai pu observer pas mal d'ecchymoses qui corroborent cette hypothèse, ici. Je crois qu'on a tiré le sac tellement fort que la boucle s'est cassée, ce qui a provoqué la blessure qu'on peut voir juste ici. L'autre blessure significative que j'ai pu observer est un traumatisme crânien sévère. Vous voyez, juste là. On l'a frappée? Non, je crois que quand la lanière du sac a lâché, elle a été projetée en arrière et elle s'est cognée la tête sur le mur. On y a retrouvé des fragments de ses cheveux. La plupart des autres lésions qu'elle présente sont dues à sa chute dans les escaliers. Mais il y a aussi ces ecchymoses ici et aussi sur le bras droit. Tout porte à croire que quelqu'un l'aurait attrapé fortement. Vous devriez bosser dans la police. Donc quelqu'un l'a attrapé. Et il y a eu lutte. On l'a délibérément tiré en arrière pour qu'elle bascule dans les escaliers et chute. En tout cas, quoi qu'il se soit passé, la personne qui a fait ça l'a laissée pour morte. Malcolm? Oui? C'est des bleus qui datent d'avant que je vois sur son poignet? Bien observé. Ça doit dater de 2 ou 3 jours, peut-être 1 semaine. J'ai fait faire des tests, j'attends encore les résultats. D'accord. Il faudrait qu'on puisse les obtenir au plus vite. Qu'est-ce qui a provoqué sa mort? Elle s'est brisée la nuque en tombant. La mort a dû être instantanée dès l'instant où elle a touché le sol. Vers 13h30, pas plus tard. Donc ça fait entre 11h15 et 13h30. Ce qui est déjà beaucoup plus précis qu'avant. Merci, Malcolm. Ah, je vous en prie, j'aime faire votre bonheur. Personne n'aime les vantards, mon chou. Oh, mais c'est pas vrai. Quel crétin qui a laissé ça ici? C'est votre véhicule, monsieur? Si j'étais vous, je n'irais pas à la ferme. Ils viennent d'avoir de très mauvaises nouvelles. Vous étiez à l'armée avec Phil, n'est-ce pas? Police du Northumberland. On était dans la même unité, et aussi dans la même école. Maca. Pardon, Jamie McCarthy. Ah, donc vous êtes au courant de ce qui s'est passé? Je suis venu voir Phil dès que j'ai eu la nouvelle. J'arrive pas à croire qu'on ait pu faire ça à Lizzie, c'est... Lui faire quoi, monsieur McCarthy? J'en sais rien, je veux dire, étant donné qu'il y a la police. Ah oui, bien sûr. Vous étiez proche de la défunte? Je suis proche de toute la famille, grâce à Phil. Et vous travaillez ici, monsieur? Ah non, je loue juste la grange. C'est surtout pour lui rendre service. Je suis venu voir si tout était sec après la pluie. Sacrée tempête, hein. Vous pouvez déplacer votre voiture? Ah oui, bien sûr. Désolé. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ils arrivent à peine à se maintenir à flot. Ça explique pourquoi ils louent la grange. Ça suffit maintenant, Rose. Ça ne fait même pas 2 jours qu'elle est morte. Alors laisse tomber. Rose, c'est la police. Ils essaient de découvrir ce qui a pu arriver à Lizzie. Et vous êtes? Je suis sa belle-sœur. J'étais sa belle-sœur, Rose Swann. Oh, vous êtes la femme du frère de Phil, Ryan?
Nous avons rencontré un ami de Phil en arrivant, Maka. Vous pouvez nous en dire plus sur l'emploi du temps de Lizzie la semaine dernière ? C'était comme d'habitude. Lizzie passait beaucoup de temps dans cette école. Et qu'est-ce qu'elle a fait le week-end ? Elle est restée à la maison tout le samedi. Et dimanche, nous sommes tous allés à la cérémonie en l'honneur de Ryan à Bricknell. Qui d'autre a assisté à la cérémonie ? Lizzie, Phil, Moira et moi. Quelques amis du boulot. Et vos nièces, elles n'étaient pas là ? Zara et Fern ? Elles avaient mieux à faire. Elles sont toujours là, dans la ferme ? Elles sont allées traire les vaches. Il faut que tu y retournes. Oui, mais je pense que papa a besoin de nous ici. Mais il faut que tu bosses. C'est bon, je peux rester. Bonjour. Je suis l'inspectrice chef Stanhope. C'est moi qui m'occupe de l'enquête concernant votre mère. Le dites pas à mon père, d'accord ? Pour la cigarette. Oh, je crois qu'il a des choses plus importantes en tête en ce moment. Comment ça va, vous deux ? C'est vraiment bizarre d'être ici sans maman. Papa a dit que c'est quelqu'un qui lui aurait fait ça ? Oh, eh bien, pour l'instant, nous envisageons toutes les pistes, mon chou. Je viens juste de parler à votre tante Rose. C'est pour ça que vous vous cachez ici ? Elle peut être un peu intense. Elle m'a dit qu'aucune de vous deux n'avait assisté à la cérémonie en l'honneur de votre oncle dimanche. Pourquoi ? Zara est avec moi depuis samedi. Je suis venue la chercher pour qu'on passe quelques jours à Newcastle ensemble. Ah, tu es la nourrice à domicile. Oui, ça va faire 2 ans. C'est un peu ma famille. Ils ont une grande maison et les filles adorent quand Zara est là. Et comme elle avait besoin de réviser... Oh, tu passes ton bac ? Oui. Elle veut intégrer la fac de droit à Durham. Ça me semble tellement futile maintenant. Oh, non, ne dis pas ça. Ça n'est pas futile. Non. Maman trouvait ça important. Elle était fière de son parcours. Donc c'est la dernière fois que vous avez vu votre maman, samedi ? Elle vous a semblé comment ? Très calme. Elle a dit que je lui manquais. Je sais pas. Elle était normale. C'était juste maman. Est-ce qu'elle a mentionné son travail à l'école ? Il faudrait que je parle à votre père. Vous savez où il est ? Il est dans le champ du haut. Venez, je vous y amène. Non, ça va. J'y vais. Oh non, non, je veux pas que tu fasses d'efforts. Ça va. Il faut que je marche. Regarde-moi ça. Ma mère avait toujours rêvé d'avoir une vache. Ça va, ma jolie ? Ça me lance un peu parfois. C'est à cause de l'accident ? Oui. Ah. Et est-ce que c'est pour ça que vous n'êtes pas allée à la cérémonie, ta sœur et toi ? Ah. Ta tante Rose m'a dit que vous aviez mieux à faire. Il faut que je décroche une mention pour aller à la fac. J'ai toujours mieux à faire. Et comment ça se passait entre toi et ta mère, hein ? J'imagine que c'est pas toujours facile pour une ado de vivre à la campagne. Non. Avec ma mère, on se disputait pas mal. Ces derniers mois, c'était un peu... tendu. Il fallait que je prenne mes distances. Je me sens coupable. Pourquoi est-ce que vous vous disputiez ? Pour tout. Et pour rien. Tout le temps. Elle me manque. On était proches. Vraiment proche. Surtout depuis le départ de Fern. Ah, oh, voilà ton père. Alors, ça va, tu peux y aller, ma puce. Écoute, sache qu'on fait tout notre possible pour découvrir ce qui a pu arriver à ta mère. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez du nouveau ? Nous avons appris qu'elle avait été mise à pied par sa directrice lundi dernier. Non. Non, c'est pas possible. Elle est allée à l'école tous les jours. Elle a quitté son poste à 10h moins le quart lundi et n'y est plus retournée. Vous connaissez le motif ? Elle avait fait un peu de zèle pour dénoncer un cas de maltraitance auprès des services sociaux. Ça a causé des problèmes. Ça se passait comment à la maison, à part le fait que vous soyez tous très occupés ?
J'ai parlé à Zara, qui m'a dit qu'elle et sa mère se disputaient pas mal. C'est une ado, qu'est-ce que vous voulez? C'est inscrit dans les gènes. Mais oui, c'était assez tendu. Elles avaient toutes les deux besoin de respirer. Alors j'ai suggéré que Zara aille rejoindre sa grande sœur. Et elles se disputaient à quel sujet? Je sais que Zara est un peu stressée avec ses études. Oh, c'était pas ça. Lizzie n'aimait pas trop son petit ami. Et entre nous, moi non plus, je suis pas très fan. Ah. Il est trop vieux pour elle. Ils n'ont aucun avenir ensemble. Ça ne durera pas éternellement, mais si on tente de les séparer, ça ne fera que renforcer leur relation. Et donc vous avez décidé de faire d'une pierre deux coups en éloignant Zara de ce garçon? Merci, mon chou. C'est le petit ami de Zara? Greg, il est arrivé peu de temps après votre départ. Phil m'a dit que Lizzie ne l'appréciait pas vraiment. C'est pareil pour Moira et Rose. Moira lui a dit seulement la famille. Elle l'a fait attendre dehors le temps que Zara revienne. Ouais, enfin, il a 4 ans de plus qu'elle. 3 en fait, elle va avoir 18 ans. Ben voyons, tu dirais pas ça si t'avais une fille au lieu d'un garçon. En tout cas, il était très serviable. Oh, tout va bien alors s'il est très serviable. Je veux juste dire qu'il a été très coopératif. Allez, réveillez-vous un peu. Il faut qu'on puisse savoir ce que notre victime a fait durant toute la période où elle a été mise à pied de l'école. On n'a rien. Marc, des nouvelles de sa voiture? Toujours aucune trace depuis la veille de sa mort. Mais le ticket que vous avez retrouvé indique un stationnement à Brignol. J'ai lancé une recherche de plaques sur les 2 dernières semaines. Bien, tiens-moi au courant. Oui, madame. On a des nouvelles des services sociaux? J'ai laissé 4 messages à l'assistante sociale qui suit Omar Hassan. Marty Cap, elle rappelle pas. Marty? Oh, mais on se connaît bien, elle et moi. Je m'en occupe. Kenny, tu as fait une recherche d'antécédents pour le père d'Omar? Oui, Mohamed Hassan. Mo. Il travaille comme cuisinier dans un restaurant de bord de mer à Brignol. Et il a un casier. Il y a quelques années, il s'est fait renvoyer de son boulot. Il a jeté un pavé sur la fenêtre de son patron. On a affaire à un sanguin, je vois. C'est toujours bon à savoir, je trouve. Brignol, tu disais? Eh ben, on va aller lui rendre une petite visite. Madame, j'ai trouvé un groupe géré par les parents de l'école sur les réseaux. Mo y a posté des commentaires au sujet de Lizzie pendant le week-end. Il a dit aux parents qu'il fallait se méfier d'elle, que c'était une menteuse qui méritait de se faire virer. Qu'elle l'avait accusée à tort alors qu'il n'avait rien fait du tout. Tiens, tiens, lui qui avait l'air si compréhensif l'autre jour. Un autre parent a ajouté son grain de sel. Moi, je crois au karma. Quand on est une mauvaise personne, il vous arrive de mauvaises choses. Et Mo ajoute, et peut-être même que parfois, le karma a besoin d'un petit coup de main. Et ça, si c'est pas une menace, je sais pas ce que c'est. Ça te dit un donut glacé et un petit pain au lait? Tu me prends pour une fille facile? Tu veux quoi en échange? Marty, j'ai besoin d'infos, mais il faut que ça reste entre nous. J'ai besoin que tu me donnes toutes les infos dont tu disposes sur Omar Hassan et son père. Je veux savoir à qui on a affaire. Tu crois que Mo est impliqué dans la mort de Lizzie? Ah, j'en sais rien. Il a dit qu'il l'avait pas vue. Mais ce qui est sûr, c'est que la victime était l'enseignante de son fils et ils ont eu des mots en début de semaine. Eh bien, Omar a été en retard à l'école plusieurs fois et souvent avec des vêtements sales. Lizzie m'a envoyé plusieurs emails. Elle craignait que son père le néglige. Donc tu l'avais dans le collimateur depuis quelque temps? Lizzie m'avait informé que l'enfant avait régulièrement des bleus en venant à l'école. Quand je lui ai parlé la semaine dernière, elle était très agitée. Elle a insisté pour qu'on lance une enquête. Elle était convaincue qu'Omar courait un grave danger auprès de son père. Ah, peut-être qu'elle avait de bonnes raisons de le penser. Au début, je me suis dit qu'elle voulait juste se couvrir. Mais elle s'est énervée. Elle était hors d'elle. Elle voulait qu'on agisse immédiatement. Elle savait, en faisant ce signalement, qu'on allait ouvrir une enquête. Mais elle était très déterminée. C'est vrai que cette affaire a eu l'air de beaucoup la toucher. Qu'est-ce que tu penses du père? Il est sur la défensive, mais c'était à prévoir. Je sais qu'Omar l'adore, mais chez les victimes, c'est courant. Je me dis juste que si Lizzie n'a pas bien fait son rapport... Ce type est innocent. Il n'a rien fait de mal. Mais il y a toujours un doute. Oui, il y a toujours un doute. Une seconde, s'il vous plaît. Je te contacte si j'ai du nouveau. Merci, Marty. Oh, hé, Vera!
Je veux 2 donuts glacés la prochaine fois, d'accord? Bonjour, Marty Cap, je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais dit qu'on se reverrait. Écoutez, j'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à Madame Swan. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce qu'on vous élimine des suspects. Monsieur Hassan, où étiez-vous entre 11h15 et 13h30 mercredi? J'ai emmené Omar à l'hôpital pour un contrôle. Et je l'ai déposé à l'école sur le coup de 11h avant d'aller travailler. Et c'est quand la dernière fois que vous avez vu Madame Swan? Lundi matin, à l'école. Elle a menti, vous savez. Elle leur a dit que je frappais mon fils. J'ai parlé avec l'assistante sociale, mon chou. Écoutez, c'est vrai qu'Omar est parfois en retard à l'école, mais c'est parce qu'il veut pas finir son petit déjeuner. Je vais pas l'emmener à l'école le ventre vide. Il est très maladroit. Il se blesse rien qu'en se cognant légèrement. Vous ne l'avez pas emmené chez le médecin? Bien sûr que si. Il a vu quelqu'un à l'hôpital. Ils font des examens. Ah oui, vous auriez peut-être dû l'emmener avant. Vous vouliez dire quoi avec ça? Peut-être même que parfois le karma a besoin d'un petit coup de main. J'ai juste dit ça comme ça pour me défouler. Ça veut pas dire que je lui voulais du mal. Non, juste la menacer sur Internet. J'ai pas touché Madame Swan. J'aurais pas pris le risque de perdre mon fils. Il faut que j'y retourne, s'il vous plaît. Un hamburger à emporter. Allez-y, je vous retiens pas. Cet homme est son meilleur ennemi. Pourquoi nous avoir caché qu'on vous avait mis la pression pour suspendre Lizzie? C'était ma décision. Qu'est-ce qui a changé? J'ai dû réévaluer certaines choses. Ah, donc vous vous posiez déjà des questions à son sujet? Lizzie avait récemment pris des décisions qui étaient pour le moins étranges. Elle n'était pas elle-même. J'ai vu Lizzie mercredi dernier. Elle est venue à la porte de derrière un peu après 10h. Elle voulait qu'on discute. Je ne l'ai pas laissée entrer. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit d'être là. Vous l'avez vue le jour de sa mort et ce n'est que maintenant qu'on a cette info? Je suis désolée. J'aurais dû vous le dire. Hein. Mais je me sentais tellement coupable de l'avoir repoussée. Vous dites qu'elle était un peu étrange? Ces dernières semaines, je l'ai trouvée très angoissée, très émotive. Vous pensez que ça avait quelque chose à voir avec le petit ami de Zara? Greg? Elle m'avait dit une fois qu'ils passaient beaucoup trop de temps ensemble. Mais après ça, elle m'en a plus jamais reparlé. Et comment ça se passait entre elle et son mari? Lizzie trouvait sa relation étouffante. Elle se sentait un peu piégée. Elle m'avait déjà dit qu'elle avait envie de partir. De tout plaquer. Plaquer la ferme? Ou bien son mari? Elle m'a juste dit qu'il fallait que les choses changent. Bon. D'après la directrice de l'école, Lizzie n'était pas elle-même ces 2 dernières semaines. Mais à part les disputes avec sa fille, personne chez elle n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal. On sait qu'elle n'approuvait pas la relation entre Zara et son petit ami, Greg Stein. Kenny, tu peux voir ce que tu peux trouver sur lui? Oui, madame. Jack, on a des nouvelles de son ordinateur portable? Je viens de recevoir le rapport de la scientifique. Lizzie a copié ça sur son ordi mardi soir. Ah, c'est la photo qui se trouve dans sa cuisine. Une seconde. Elle a pris une photo de la photo sur le mur. Regardez, on peut voir le reflet de sa fenêtre. Pourquoi elle a fait ça, à votre avis? Elle a aussi téléchargé plusieurs relevés de compte lundi. Compte épargne, compte commun. Oui, enfin, ça peut se comprendre. Elle était persuadée qu'elle allait perdre son job. En tout cas, mardi dernier, elle a transféré des sommes importantes depuis tous les comptes qu'elle partageait avec son mari vers son compte personnel. C'est vrai, ça? Oui, un peu plus de 4000 livres au total. Et elle a bloqué tout le reste. Annika a dit que Lizzie avait envie de tout plaquer. C'était peut-être pour ça, cet argent. Oui, soit c'est ça, soit elle ne faisait pas confiance à son mari. Jack, tu peux voir ce qu'il en était de leur situation financière au cours des 6 derniers mois? Et je veux un rapport détaillé. Au fait, Marc, tu as pu en savoir plus sur ses déplacements? D'après le système, sa voiture a été aperçue en direction de Brignal mardi et mercredi, mais rien lundi. D'accord, mais tu... Oui, j'ai déjà vérifié les caméras de surveillance du parking. Ce sont des fausses. Alors, qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire à Brignol? Oh! Voir des amis? Aiden? Eh bien, Brignol est la grande ville la plus proche. Il y a plein de cafés et de pubs. On a rendez-vous avec Phil à la morgue. Kenny, contacte son opérateur, tu veux bien? Il nous faut s'y relever de téléphone portable. Et s'il te plaît, tu leur rappelles qu'on est en train d'enquêter sur un meurtre. Oui, madame.
Tu peux rester avec elle. Où est Phil ? Il vient juste de sortir. Regardez qui est là. Je présume que vous avez des nouvelles. Oui, elles sont pas bonnes. Je peux vous confirmer que quelqu'un est impliqué dans la mort de votre femme. À première vue, il semblerait que Lizzie ait pu être tirée dans les escaliers après une altercation. Nous n'avons toujours pas retrouvé sa voiture, mais nous savons qu'elle s'est rendue à Brignoles mardi et mercredi. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas ? Eh ben, j'espérais que vous pourriez me le dire. Elle avait des amis là-bas ? Un café, un endroit de prédilection ? Non. Enfin, si, Maka, il tient un pub là-bas, sur le front de mer. Ah, ben oui, ça pourrait être ça, alors. Est-ce qu'ils étaient proches ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Nous avons rencontré Maka sur le chemin devant la ferme. Il nous a dit qu'il était un ami de la famille. Oui, mais elle serait jamais allée le voir sans moi. Et s'il l'avait vu, il me l'aurait dit. D'accord. Vous pouvez me dire pourquoi elle avait transféré l'argent de tous vos comptes vers son compte personnel ? Elle a fait quoi ? Elle a vidé tous vos comptes en commun la veille de sa mort. Vous n'étiez pas au courant ? À votre avis, pourquoi elle a fait ça ? Elle avait des problèmes financiers ? Aucune idée. Pardon, faut que j'aille retrouver ma fille. Pourquoi tu veux pas me voir ? Zara n'avait pas l'air contente de le voir. On va garder un œil sur lui. Madame, j'ai pu obtenir les relevés téléphoniques de Lizzie. Il y a des appels à sa banque et à Nika, des appels à ses filles tous les jours. Le dernier qu'elle a passé date de mercredi matin à 10h20. Phil a dit que Jamie McCarthy vivait à Brignoles. Il y tient un pub. Ouais. Jack, vérifie ses antécédents. Je veux un rapport complet. Oui, madame. Madame, on a retrouvé la voiture. Oui, madame Swan m'a appelé pour me dire que deux de ses pneus étaient à plat. Et vous êtes allé la retrouver à l'école ? Oui, il devait être 11h15. Je lui ai dit que j'en aurais jusqu'à 16h pour les pneus, et elle m'a dit qu'elle passerait au garage plus tard. Vous l'avez déposée quelque part ? Non, elle m'a dit qu'elle préférait marcher. Vous savez où elle est allée ? Non, désolé. J'étais en train de charger sa voiture sur ma remorque. Et elle vous a semblé comment ? D'après vous, pas très contente. Deux pneus crevés. La voiture est prête, je l'ai laissée là. On a gardé les pneus pour l'assurance. Ça ressemble pas à un accident. On lui a crevé ses pneus ? Oui. Eh, non, touchez à rien surtout. Fais venir la scientifique. Oui, mais on l'a nettoyé après avoir changé les pneus. Vous avez fait quoi ? J'ai compris dans le service. On n'a pas touché à la valise, en revanche. Elle avait une valise ? Ouais. Donc, elle avait fait sa valise. Elle prévoyait de partir. Et ni son mari, ni sa belle-mère n'ont rien remarqué. C'est assez édifiant. Où est-ce qu'elle pensait aller ? J'en sais rien. Chez son amie Annika, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'elle est allée la voir à l'école. Mais elle s'est fait rembarrer. Le plus important dans l'immédiat, c'est de savoir qui a pu saboter sa voiture et l'empêcher de s'en aller. Malcolm, est-ce que tu as du nouveau pour moi ? Deux fois dans la même journée, je suis gâté. Bon alors, j'ai bien étudié l'agrandissement. De la photo du bras de Lizzie, on voit très clairement que quelqu'un lui a fortement saisi le poignet. C'est exactement ce que je pensais.
On va voir si tu peux encore m'impressionner, Malcolm. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces pneus? Je ne veux pas que vous pensiez que je suis un frimeur, mais je peux vous confirmer qu'on les a crevés délibérément. Les trous étaient minuscules, un objet long, très coupant, et fin comme une aiguille. Oh, pour transpercer un pneu, ça crée aiguille. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'a dû faire aucun bruit. Donc celui qui a fait ça voulait l'empêcher de prendre sa voiture, pour qu'elle n'ait plus de moyen de locomotion. C'est ça. Pour qu'elle soit plus vulnérable. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur la valise? Il n'y avait que ses empreintes sur la poignée et la serrure, mais avec la voiture, j'ai eu plus de chance. On a trouvé deux empreintes différentes, une sur la portière côté passager, pas dans le fichier. Et une autre, juste au-dessus des roues, probablement quand il était en train de crever les pneus. Ah, dis-moi qu'on les a dans le fichier, Malcolm. On les a dans le fichier, Malcolm. Je peux avoir un nom, s'il te plaît? Mo Hassan. Hassan. Ça, par exemple. C'est du harcèlement, policier! J'ai absolument rien fait de mal! Vous savez que c'est du harcèlement? Eden! En plein dans le mille. C'est courageux de ne pas vouloir d'avocat, monsieur Hassan. J'ai rien à cacher. Vous êtes sûr? Oui. Quelqu'un a crevé les pneus de la voiture de Lizzie Swan alors qu'elle était garée devant l'école primaire de Westwood le matin où elle est morte, à peine quelques minutes après que vous y avez déposé votre fils, en retard. Ce qui était juste après 10 heures, et non pas après 11 heures, comme vous nous l'aviez dit. Ouais, je me suis trompé. On condamne pas un homme pour ça. J'ai rien fait à Madame Swan. Oh, pas de ça avec moi, je ne suis pas née de la dernière pluie. Et voyez un peu ce qu'on a trouvé dans la boîte à gants de votre voiture. Ces fléchettes correspondent aux marques de crevaison sur les pneus de Lizzie. Nous avons aussi trouvé vos empreintes sur la carrosserie au-dessus des roues. Vous l'avez privée de voiture, en sachant qu'après ça, elle serait obligée de marcher. C'est sûr que comme ça, c'était beaucoup plus facile de la suivre, n'est-ce pas? Et de discuter en tête-à-tête avec elle. Non, une petite minute. J'ai crevé ses pneus, c'est vrai, mais je ne l'ai pas suivie. Non, je ne vous crois pas. Vous avez essayé de la forcer à vous écouter, n'est-ce pas? Un peu trop vigoureusement, peut-être. Non, j'ai pas discuté avec elle, et je l'ai pas tuée. Non, j'ai crevé ses pneus et je suis parti travailler, demander à mon boss qu'il vous le confirme. Oh, mais ne vous inquiétez pas, nous allons lui demander. J'ai cru comprendre que vous étiez quelqu'un d'assez irascible, je me trompe? Ces pneus, les fenêtres de votre ancien employeur, vous avez déboulé à l'école... Je lui ai fait aucun mal, je n'aurais jamais fait ça. Jamais je ne priverais un enfant de sa maman. Et je dois vous croire sur parole, alors que depuis le début, vous ne dites que des mensonges. Non, il va m'en falloir beaucoup plus pour me convaincre. Je peux avoir un avocat, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Lizzie est allée faire à Westwood Point? C'est un endroit reculé, parfait pour être un peu seul. C'est un site magnifique. Oui, mais la tempête faisait rage. L'endroit est complètement exposé, elle devait être trempée. De toute évidence, elle ne voulait pas rentrer chez elle. Oui, mais pourquoi ne pas aller dans un pub ou un café? Il y en a deux à Westwood. Si elle avait juste voulu passer le temps, elle serait allée dans un endroit couvert. Pour rester au sec, tu crois pas? Non. Elle s'est rendue dans cet endroit avec une idée en tête. On sait que notre victime était totalement bouleversée le matin de sa mort. Elle est allée voir la directrice car elle avait besoin de la présence d'un ami. Et je crois qu'elle est allée en retrouver un à Westwood Point. Si ce n'était pas Annika, qui ça peut être? J'ai pu retracer l'un des numéros de téléphone non enregistrés. Devinez à qui Lizzie envoyait régulièrement des SMS. À qui? Jimmy McCarthy. Non, c'est vrai, ça. Il nous a dit qu'ils étaient proches. Et Phil n'a pas eu l'air enchanté lorsqu'on lui a parlé de ce bon vieux Maca, tu te souviens? Peut-être qu'ils étaient beaucoup plus proches que ce qu'il aurait voulu. Kenny, toi et Mark, vous allez faire un tour dans son pub. Vérifiez si les habitués se souviennent d'y avoir déjà vu Lizzie. Bien, madame. Jack, qu'est-ce que t'as trouvé? C'est quelqu'un de plutôt discret, on va dire. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il y a quelques articles de presse qui parlent de son investissement dans l'école.
Pourquoi Phil lui loue cette grange, d'après vous? On a des infos là-dessus? Je vais me renseigner. J'ai épluché les comptes de la ferme. Ils sont solvables, mais tout juste. Ces 18 derniers mois, ils se sont maintenus à flot grâce aux économies de Lizzie et Phil. Je me demande si Lizzie était au courant de ça. C'est peut-être pour ça qu'elle a retiré l'argent qui restait. Oui, Marc? Désolé pour le retard, je suis allé chercher ça. C'est une photo prise par la caméra embarquée d'un bus à Wellstood, le matin où Lizzie est morte. Tu te moques de moi, là? Où est-ce que tu vas? T'as l'air bien pressé. Cette photo a été prise près de Wellstood le matin où Madame Swan est morte. Et regarde ça aussi. Elle t'a téléphoné 4 fois la semaine de sa mort. Je vous jure que je lui ai pas parlé. Ah non? Mais tu lui as téléphoné la veille de sa mort pourtant. Un appel de 3 minutes. Ça ne se présente pas très bien pour toi, jeune homme. Je te conseille de collaborer. Je voulais qu'on fasse la paix. Ah, donc tu admets que tous les deux, vous vous étiez disputés? Non, non, pas moi. Je voulais dire elle et Zara. Toutes ces disputes, c'était pas bon pour elle. Moi, je veux juste qu'elle soit bien. Je veux la même chose que sa mère. Enfin... Ah, je vois. Donc le mieux pour Zara, c'est de passer tout son temps avec toi, alors. Au lieu d'être en train de réviser. Et s'installer avec toi quand elle sera à l'université. Qui vous a dit ça? C'est ce que sa mère avait compris. Non! Zara, on n'a pas envie. Je voulais discuter avec sa mère pour calmer un peu le jeu. J'ai pensé que ce serait mieux si on faisait ça face à face. Où l'as-tu retrouvé? C'était... sur la route qui mène à la ferme. Tu t'es introduit de force dans sa voiture? Non! T'en es sûr? Écoutez, elle avait tout faux sur moi. Je voulais qu'elle m'écoute. Je sais que les examens de Zara sont importants. Elle fait que réviser chez moi. Mais oui, c'est ça. On n'est pas stupide. Vous êtes comme sa mère. À croire qu'il n'y a qu'une chose qui me motive. C'est quoi ça? L'amour vrai attend. Alors oui, oui, je sais qu'il y en a qui trouvent ça super débile, mais pas moi. Je me suis dit que si je pouvais discuter avec sa mère et lui expliquer, elle arrêterait de vouloir nous séparer. Ça t'a mis en colère? Non, attendez. C'est elle qui a pété les plombs. Je lui ai dit qu'elle savait pas forcément ce qui était le mieux pour Zara et elle s'est énervée. Elle m'a dit qu'il se passait des trucs que je pouvais pas comprendre. Quel genre de trucs? Elle arrêtait pas de dire qu'il fallait que tout ça change et que je devais foutre la paix à Zara, mais j'avais du mal à suivre ce qu'elle disait. À la fin, j'ai été obligé de lui promettre de plus voir Zara pour qu'elle se calme. D'accord, et après? Après... En fait, elle... Elle quoi? Elle m'a déposé à l'arrêt de bus. Mais je suis rentré à pied chez moi. J'ai longé la côte, je suis arrivé vers 13h. Une seconde, tu étais près de Wellstood Point? Oui. Écoutez, c'est pas là-bas qu'on s'est retrouvés. Et est-ce que quelqu'un d'autre t'a vu? T'aurais dû nous le dire avant, Greg. Tout à l'heure, tu nous as dit que Zara passait tout son temps chez toi à réviser, Oui. Pourquoi elle ne révisait pas chez elle, plutôt? Elle aime pas être chez elle. J'en veux même pas à sa mère de pas m'aimer. Zara me prend souvent comme excuse pour se barrer de chez elle, mais... J'ai pas tué Lizzie. Je lui ai parlé qu'une seule fois au téléphone, une seule. Les autres fois, je l'ai envoyé sur le répondeur. Greg, si tu aimes vraiment Zara, tu dois la laisser tranquille. C'est important qu'elle passe du temps avec sa famille, s'il te plaît. Ça la rend bien réelle, tout à coup. Il y a beaucoup de choses qui se passent dont tu n'es pas au courant. Tout ne tourne pas autour de toi. Laisse-la tranquille, bon sang. C'est tout ce que je te demande. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il cache? Madame, Marty Cap est ici, elle a des infos. Oh, parfait. Au fait, dis-moi. Mo Hassan, est-ce qu'on a du nouveau sur son alibi? D'après son chef, il est arrivé à 10h45 et il est parti à 15h. Ok. Je la vois pas, où est-ce qu'elle est? Eh bien, je l'ai laissée attendre dehors. On n'a pas le droit de faire venir des gens ici.
J'ai des infos pour toi. Chut. Vas-y, je t'écoute. J'ai lu le dossier médical d'Omar. Il souffre d'ostéoporose juvénile et de troubles de la coagulation sanguine. C'est pour ça qu'il se blesse tout le temps. Oh, le pauvre petit garçon. Donc, pour toi, le père est innocent. Mm-hmm. Pour nous aussi. On va garder un œil sur Omar et aider son père à mettre en place un programme de soins. J'ai demandé à Omar pourquoi il était toujours en retard à l'école. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Que s'il ne mangeait pas son petit déjeuner, il pouvait passer plus de temps avec son père. Tu veux le lui dire ? Désolée, je dois préparer le goûter des enfants. Pas de problème, ma belle. Voilà, en fait, je voulais te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu penses du petit copain de ta sœur ? Greg ? Il est plutôt cool. C'est quelqu'un de gentil. Je pense pas que ça va durer, mais il fait beaucoup de bien à Zara. Il a dit que Zara se servait de lui comme excuse pour ne pas être à la maison trop souvent. J'en sais rien, c'est possible. Et toi, c'est quoi ton excuse ? Tu es partie de chez toi à quel âge ? 16 ans ? 17. J'étais pas très heureuse là-bas. Maman et Rose ont commencé à se disputer dès la minute où on est arrivés. Ah, donc avant c'était ta tante Rose et ton oncle Ryan qui s'occupaient de la ferme ? Oui, jusqu'à ce que papa prenne le relais. Ah, l'ambiance devait être plutôt étouffante. Surtout si ta maman et Rose ne s'entendaient pas bien. Maman a essayé. Vraiment, mais Rose ne supportait pas notre présence. Elle pouvait pas voir ma mère. Elle était jalouse d'elle. Et pourquoi ça ? Maman était brillante. Elle avait fait des études. Et le fait que papa hérite de la ferme. Oh, parce qu'il était l'aîné. Ah, ça a dû être un peu difficile pour ton oncle Ryan. Il voulait lancer sa propre entreprise, de toute façon. Papa lui a donné de l'argent. Et il est parti monter son affaire avec Rose. Ça a dû apaiser les choses. C'était pas facile pour papa. Il devait faire le boulot de Ryan en plus du sien. Mais c'était quand même mieux comme ça. Mais alors, si les choses allaient mieux chez toi, pourquoi es-tu partie ? Je savais que j'irais pas à l'université. Donc je me suis dit, autant trouver un boulot. On n'arrêtait pas de se disputer avec ma mère. Quand je suis partie, ça s'est arrangé. On était proches. On s'appelait tous les jours. La dernière fois que tu as parlé avec ta mère, est-ce que tu te souviens si elle t'a dit quelque chose qui pourrait nous être utile ? Réfléchis. Non, elle voulait juste savoir quand Zara serait à la maison. Elle lui manquait. J'aimerais vraiment vous aider, mais je sais rien. Bon, je vais te laisser, ma belle. Merci. Au fait, ta tante Rose, comment s'appelle son entreprise ? Oh, grosse exploitation ! Nous avons beaucoup de travail. Tous les fermiers du coin utilisent nos services. Donc c'est à vous, toutes ces machines ? On vient de les acheter. Notre principale activité, c'est la location de matériel. On assure aussi le service et la maintenance. Ça marche très bien, depuis le début. On répond vraiment à un besoin du marché. Bon. Je vois que vous êtes très occupés, alors je vais être direct. J'ai cru comprendre que Lizzie et vous n'étiez pas vraiment en bons termes. En effet, c'est direct. Qui vous a dit ça ? Et alors, c'est vrai ou non ? Il pouvait pas en être autrement. Elle nous a fichu dehors, virée de la ferme et de notre maison. Elle s'est débarrassée de nous. Je croyais que vous et votre mari, vous vouliez partir de toute façon. Et tout recommencer à zéro ? Moira a dit qu'il n'y avait plus de place pour nous, que Phil avait une famille et des bouches à nourrir. Ryan a travaillé comme un dingue pour aider sa mère. Et pourquoi, finalement ? Mais Phil vous a bien donné de l'argent pour vous lancer. Vous voulez parler des 150 000 livres ? Ryan valait au moins le double de ça. Moira nous a demandé de partir, mais je sais que c'était l'idée de Lizzie. Elle n'a jamais aimé Ryan. Elle pensait qu'à elle avant tout. Elle voulait que Phil vende la ferme. Moira était furieuse.
Il savait bien que Lizzie menait tout le monde par le bout du nez, mais ça... Vous savez, c'est Ryan qui s'est toujours occupé de la ferme, jusqu'à ce que Phil et sa famille débarquent. Je sais qu'elle est morte, mais c'est la vérité. Donc comment ça s'est passé entre vous et Lizzie à la cérémonie dimanche dernier? Pas très bien, je suppose. On s'est disputé. Elle s'était montrée irrespectueuse, grossière. J'ai voulu éviter une scène, donc je l'ai prise à part pour lui dire deux mots. Prise à part? Vous en êtes venu aux mains? Vous l'avez attrapée par les poignets? Je venais juste de disperser les cendres. Et elle, elle soupirait d'ennui. Elle essayait même pas de s'en cacher. Donc comment ça s'est passé quand vous lui avez parlé, hein? Elle s'est excusée. Et puis, elle est partie. Où étiez-vous, mercredi dernier? J'étais ici. Tout le monde vous le dira. Je suis étonnée que vous n'alliez pas interroger Phil. Ils se sont à peine parlé dimanche. Lizzie avait dû tomber de son piédestal. Si cette femme sait quelque chose, elle n'a pas l'intention de nous en faire part. Franchement, qui aurait cru que Lizzie avait l'intention de partir? Son mari a sûrement dû jouer un rôle dans sa décision. Rose nous a dit que Lizzie menait tout le monde par le bout du nez. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Ah, mais il y avait peut-être un autre homme. Tu crois qu'elle avait une aventure? Elle passait beaucoup de temps seule à l'école, c'est une bonne excuse. Jack, est-ce que tu as pu avoir plus d'infos sur Phil et son meilleur pote, McCarthy? Oui, madame. McCarthy a commencé à louer la grange quand la ferme a eu des soucis financiers. Il a versé 600 livres par mois la première année, mais plus rien ces 6 derniers mois. Quand on l'a vu, il nous a dit qu'il la louait toujours. Personne ne paye une telle somme juste pour rendre service. Il fait quoi dans cette grange? Vous avez découvert quelque chose au peuple? Oui, deux clients affirment l'avoir vu mardi après-midi. Ah oui, intéressant. Ils nous ont dit que Lizzie et McCarthy avaient une grosse dispute. Il lui a demandé de baisser la voix, il l'a suivie dehors quand elle a quitté le pub. Oh, s'il te plaît, dis-moi qu'on a ça sur les caméras de surveillance. Absolument, je l'ai juste là. Voilà Lizzie. Je te tiens. Grâce à vos caméras de surveillance, on a pu vous voir en train de vous disputer avec Lizzie. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Parce que ça n'a rien à voir avec tout ça. Vraiment? Il semble que les gens avaient pour habitude de vouloir la faire taire, et donc je me demande ce qu'elle pouvait bien avoir à dire. Elle avait besoin de moi à l'école, mais je pouvais pas, et j'ai dit non. Vous me racontez n'importe quoi, et vous le savez. Elle avait été mise à pied. J'ai cru comprendre qu'avec Phil, vous êtes très proches, n'est-ce pas? On peut dire que vous êtes de vieux amis, vous étiez à l'armée ensemble. Oui, ça aide d'avoir un ami dans le coin. Le retour à la vie civile n'est pas simple. Vous étiez proche de Lizzie aussi, je crois. Vous échangez des SMS presque tous les jours. Et alors? C'était à quel sujet, ces messages? Elle m'envoyait ses meilleurs temps. Lizzie s'était mise à la course à pied il y a quelques mois et je l'aidais à s'améliorer en la coachant. Est-ce que Phil était au courant? Non, en fait, on ne lui avait rien dit, on ne voulait pas... qu'il se fasse des idées. Ah, je vois, vous aviez peur qu'il en arrive à la même conclusion que nous. Les SMS concernaient l'entraînement. Je peux les voir? Je les ai effacés. Vous aviez une aventure, tous les deux? Attendez, là, c'est une blague? Ce n'est pas une blague, je vous rappelle qu'une femme est morte. Bien sûr que non, Phil est l'un de mes meilleurs potes. D'accord. Et si vous m'en disiez un peu plus sur ce service que vous rendez à Phil, en louant sa grange? Eh bien, il ne s'en servait plus. Et comme il avait besoin d'argent et moi d'un endroit pour entreposer des affaires, alors... Vous louez toujours la grange? Oui, je vous l'ai dit. Vous réglez comment? En liquide? Oui. 600 livres par mois, c'est une très belle somme. Vous êtes très généreux. Si je peux aider un ami, c'est cool. Il faut fouiller cette grange. Je veux un mandat. Ça marche. Ah.
aller, Marc. Tenez. Il faisait pousser de l'herbe. Il manque pas d'air, ce type. Quand est-ce que tu crois que McCarthy a débarrassé la grange ? Avant la mort de Lizzie ? Oh, j'en suis sûr. Histoire de tout boucler. Vous croyez qu'elle savait pour la drogue ? Je pense que c'était le genre de personne à prévenir tout de suite la police, tu crois pas ? Peut-être que Phil touchait sa part. Oh, ça m'étonnerait. Si c'était le cas, il aurait pas tous ses problèmes d'argent. Mais attends, qu'est-ce qu'il fait là, d'ailleurs ? Je te préviens, je vais défoncer la porte ! Ouvre-moi ! Laisse-moi entrer ! Monsieur Swan ! Laisse-moi entrer! Arrête, Phil, c'est pas Monsieur ce que tu Swan. Penses. Tu faisais quoi avec Lizzie? Monsieur Swan, calmez-vous. Qu'est-ce que tu faisais avec Phil, elle? Phil, on se calme, tout de suite. Qu'est-ce qu'il faisait avec Lizzie? Laissez-nous travailler et laissez-moi poser les questions. C'est bon, on s'en occupe, allez-vous-en. Rentrez chez vous, allez. Madame! Écoutez, vous faire arrêter pour agression ne va rien régler, bien au contraire. Maintenant, rentrez chez vous, Monty. Merci. C'était moyen. Oui, ça, je vous le fais pas dire. Il va falloir que nous discutions, tous les deux. On sait ce qu'il y avait dans cette grange. Un coup de fil et on envoie la scientifique retrouver toutes les preuves. Ou alors, vous pouvez nous dire la vérité sur votre relation avec la femme de votre meilleur ami? Ou est-ce que Phil s'est trompé là-dessus aussi? Oui, il s'est trompé. C'est vrai que Lizzie et moi, on s'entendait bien, on avait le même humour. Mais je n'aurais jamais fait ça à Phil, le trahir comme ça, c'est un pote. Oui, mais vous aviez installé une plantation de cannabis dans sa grange, donc c'était pas un si bon pote que ça. De toute évidence, il se passait quelque chose entre vous et son épouse. Les SMS, les petites visites, les séances d'entraînement, le volontariat à l'école... Pratique comme couverture. On n'avait rien à cacher. Moi, je crois qu'elle avait l'intention de partir avec vous, de quitter cette vie morne à la campagne. Mais vous vous êtes dégonflé. Est-ce que c'est pour ça que vous vous disputiez dans le pub? Non, vous avez tout faux. On sait qu'elle est allée à Brignoles 2 jours de suite. On peut vérifier vos caméras et voir si elle est venue ici. Vérifier, elle est venue qu'une fois. Mais il n'y avait rien entre nous, je vous le jure. Alors pourquoi vous vous disputiez comme ça? C'était au sujet de Phil. Elle avait retrouvé un ticket de stationnement dans sa poche, indiquant Brignoles, et elle voulait savoir si je l'avais vu. Datant de lundi dernier. Ouais. Et donc vous l'aviez vu? Non. Alors pourquoi vous avez eu cette dispute, Monsieur McCarthy? Écoutez, je suis en train de perdre patience. Elle était persuadée qu'il voyait une autre femme. Qu'il la trompait? Et c'était le cas? Bien sûr que non. Il était totalement fou d'elle. C'était l'amour de sa vie. Alors il est allé faire quoi à Brignoles? Voir une amie. Et elle s'appelle comment, cette amie? Tina. Tina Callow. T'as toujours pas marqué? Allez, réveille-toi. Tina? Oui? Je peux vous parler une minute? C'est pourquoi? À l'intérieur. On se fait quelques passes? Ça vous dérange pas? Non, c'est bon. Sois sage, Vincent. Waouh! T'es trop fort! Au revoir. On était à l'armée ensemble. C'est un vieil ami. Ah oui. Et c'est donc pour ça qu'il a payé votre loyer ces 6 derniers mois? Oui, mais c'est pas un crime, si? Non? Mais c'est très généreux de la part de quelqu'un qui est fauché. Je traverse une mauvaise passe et c'est un ami. Ah, je crois qu'il est bien plus que ça, n'est-ce pas, ma belle? Est-ce qu'il est le père de votre enfant? Bien, je considère que c'est un oui. Vous êtes toujours ensemble? Non. Ça n'a duré qu'un mois et on a vite retrouvé nos esprits tous les deux. On était en mission ensemble, à des centaines de kilomètres de tout. On se sentait seul. Oui, ça arrive parfois. Et je suppose que ce n'est qu'après votre rupture que vous avez su que vous étiez enceinte. Phil ne voulait pas fonder une nouvelle famille avec moi. Il en avait déjà une. Donc qu'est-ce que vous faites ici, à Brignoles? Vous vivez pratiquement sur le pas de sa porte. J'ai perdu mon job, mon appart.
J'avais personne d'autre vers qui me tourner. Est-ce que Lizzie est venue ici, mardi dernier? Oui, elle nous a vus, Phil et moi, devant la maison. Et elle a attendu qu'il parte pour venir sonner chez moi. Je sais pas comment elle a eu mon adresse. Elle croyait qu'on avait une aventure et j'ai eu beau lui dire que non, elle... Elle avait vu votre fils et elle a tout de suite compris. Je lui ai dit que c'était fini depuis longtemps, mais elle a pas voulu me croire. Et qu'est-ce que Phil a dit quand il a su qu'elle était venue vous voir? J'en ai pas parlé à Phil. Lizzie a dit qu'elle voulait lui en parler elle-même. Vous croyez Tina capable de faire ça? Oh non, je ne crois pas. Sincèrement. Elle a dit qu'elle avait un entretien d'embauche, mais je veux bien que tu demandes à Kenny de vérifier. Voilà ce que je pense. Peut-être bien que Phil s'est mis en colère quand Lizzie lui a demandé des comptes. Il n'a pas dû apprécier qu'elle débarque ici. Je veux dire, il ne voulait pas que ça se sache, n'est-ce pas? Son histoire avec Tina et leur enfant. Il fallait qu'il en parle à Lizzie dans un endroit isolé, pour que sa mère ne soit pas au courant. Et peut-être que la discussion s'est enlevée. Je viens de vérifier. Mercredi matin, il labourait un champ à un peu plus d'un kilomètre de Wellstone Point. Un ancien de l'armée? Il a très bien pu faire l'aller-retour en une demi-heure. Facile. Qu'est-ce que Lizzie vous a dit lorsqu'elle a découvert l'existence de Tina et de votre fils? Rien du tout. Elle n'était pas au courant. Je ne suis pas fier de moi. Je vis au quotidien avec cette culpabilité. Tina avait besoin d'aide, je n'allais pas les abandonner. Lizzie n'avait pas besoin d'être au courant, et je ne lui ai rien dit. Désolée, mais je crois qu'elle l'avait découvert, mon grand. Parce qu'elle avait retrouvé votre ticket de stationnement, tout comme nous. Elle vous a donc suivi, et elle vous a vu là-bas. Elle a vu le petit, elle l'a même rencontré. Comment? Elle vous a vu tous les trois ensemble, et après votre départ, elle a sonné à la porte de Tina. Vous êtes allé les voir deux fois la semaine dernière, pourquoi? Vincent avait de la température lundi et je voulais voir s'il allait bien. Pourquoi Lizzie ne m'a rien dit? Quoi? Mais enfin, c'est évident. Elle a cru que vous étiez toujours ensemble. Alors, elle est morte, sans savoir que je l'aimais. Elle était aussi au courant que vous aviez pioché dans vos économies pour la ferme. Est-ce qu'elle vous avait parlé de ça? Oui, lundi dernier. C'est pour ça qu'on faisait chambre à part. Elle m'a dit qu'on ne pouvait plus perdre d'argent car il fallait payer la fac pour Zara. Elle savait que Maca me payait en liquide, mais elle ignorait pourquoi. Après notre dispute, elle ne voulait plus me voir, et c'est pour ça que je n'ai pas... Je ne pouvais pas laisser couler la ferme. Je suis l'homme de la famille. Quoi qu'il se passe, il faut que j'assure. Je pense à une chose, si elle est venue vous parler de l'argent... J'ai un petit peu de mal à croire qu'elle ne vous ait pas parlé de Tina et de votre enfant. Elle avait peut-être besoin de le faire en terrain neutre, dans un endroit tranquille. Un endroit où elle aurait pu s'emporter et crier sans qu'on l'entende. Chose qu'elle n'aurait pas pu faire chez vous, n'est-ce pas? Et Wellstone Point n'est pas très loin du champ dans lequel vous vous trouviez mercredi? Je n'ai rien fait. J'aurais jamais pu. Peut-être que vous ne vouliez pas lui faire de mal. C'était peut-être un accident. Je n'ai pas vu Lizzie et on ne s'est pas parlé. J'aurais jamais dû revenir à la ferme. C'est là que tout a commencé à aller mal. Ryan nous en voulait d'être là. Et Lizzie et Rose, c'était sûr. Jamais elles n'auraient pu s'entendre. Vous leur avez donné de l'argent pour qu'elles quittent la ferme? C'était le projet de Ryan. Il en parlait depuis des années. Je l'ai aidé du mieux que j'ai pu à lancer son affaire. Et puis, avec Fern, on se disputait non-stop. Avant qu'elle s'en aille. Et après ça, Zara a eu cet accident. Celui qui a tué Ryan? Oui, Ryan est passé prendre Zara après le boulot. Il roulait beaucoup trop vite. Il a raté un virage, il est mort sur le coup. Zara est restée bloquée pendant une heure. La rééducation a duré 6 mois. Mais la tête, c'est plus long. C'est moi qui aurais dû aller chercher Zara. Lizzie n'a jamais fait confiance à Ryan.
Mark, tu peux récupérer le rapport de l'accident de Ryan Swan au plus vite, s'il te plaît? Oui, madame. Il semblait sincère, je trouve. Oui. Kenny, tu as vérifié l'alibi de Macar? Oui, il est béton. Il était à une vente aux enchères à Brignoles. Et Greg a été filmé par une caméra de surveillance à Brignoles juste après 11h. Quant à Tina Callow, son alibi tient également. D'accord. Et pour Rose? C'est sur votre bureau, madame. Ok, merci, Marc. Son alibi ne tient pas. Le jour de la mort de Lizzie, elle s'est absentée du travail entre 11h et 14h. Oh, ça, c'est intéressant. Essaie d'obtenir plus d'infos de la part de ses employés. Eden! Attends une minute, s'il te plaît. Tu te souviens que Phil a dit que Lizzie se méfiait de Ryan? Il y a forcément quelque chose qui cloche. Et personne n'est capable de nous dire ce qui perturbait tant Lizzie. Est-ce que c'était Greg, ou le jeune Omar, Rose, ou son mari? On est peut-être sur une mauvaise piste depuis le départ. Et il semble que la vérité soit plus proche qu'on ne le pense. Il faut que je parle à Zara. Prends ton manteau. Bonjour Zara, ça va ma belle? Je dois te poser une question un peu délicate, d'accord? Au sujet de l'accident. J'ai consulté le rapport de la police et j'ai remarqué que ton oncle a pris un autre itinéraire pour rentrer chez vous. Il a fait un détour. Je sais que ta maman ne faisait pas confiance à Ryan. Tu savais qu'il était ivre? Je m'en suis rendu compte quand il a pris le mauvais chemin. Sauf que c'était pas une erreur. Tu penses qu'il l'a fait exprès? Il voulait t'emmener dans un endroit où personne ne vous verrait, c'est ça? Moi, j'étais pas d'accord. Mais lui disait que je voulais, qu'il voyait bien que j'en avais envie. Mais c'était mon oncle. Oh, ma pauvre puce. Il n'arrêtait pas d'essayer de me tripoter. Alors je l'ai repoussé. Et c'est là qu'il a raté le virage. Pas étonnant que tu n'aies eu aucune envie d'assister à la cérémonie. Tu l'as dit à quelqu'un? Non. J'avais trop honte de moi. Tu aurais dû le dire à ta mère, ma chérie. J'ai fini par le lui dire quand on se disputait. Elle n'arrêtait pas de me prendre la tête pour que je me sépare de Greg. Elle disait qu'il était trop vieux pour moi et qu'il fallait que je me concentre sur mes examens. Et j'ai pas pu me retenir. C'est sorti d'un coup. Et tu lui as dit ça quand? Récemment? Il y a 2 semaines. Elle était super en colère contre moi. Elle n'arrêtait pas de demander pourquoi j'avais rien dit avant. Pourquoi je lui avais caché si longtemps. C'était limite ma faute pour elle. Évidemment qu'elle était en colère, c'est normal. Mais contre ton oncle Ryan, pas contre toi. Comment s'est finie la discussion avec ta maman? Je lui ai demandé de rien dire à personne. Et surtout pas à Rose. Elle aurait rejeté la faute sur moi, comme grand-mère. Je voulais pas d'embrouille. Maman voulait pas, mais je lui ai fait promettre de rien dire. Pas même à papa, je lui ai dit que je voulais plus en parler, mais elle revenait tout le temps à la charge et... Et donc c'est là que ton père t'a envoyé chez Fern, pour que vous fassiez un break, hein? Oui, et je vais repartir avec elle. Je supporte pas d'être ici sans ma mère. Elle me manque. Bien sûr, mon chat. Au fait, Zara, tu as été très courageuse de me raconter tout ça. Et c'est ton oncle Ryan le seul coupable. Seulement lui. Pauvre gamine. Pas étonnant que Lizzie s'était mise en tête de défendre Omar bec et ongle. Elle se sentait coupable de ne pas avoir su protéger sa fille. Jack a pu parler à l'un des employés de Rose. Lizzie était là mardi dernier. Elle voulait encore en découdre.
Vous avez la fâcheuse habitude de nous cacher la vérité, Rose. Nous avons un témoin qui affirme avoir aperçu Lizzie à votre travail la veille de son décès. Et devinez quoi? Il affirme aussi que vous vous êtes absentée le matin où elle a été tuée. Je suis passée chez moi. J'avais oublié des factures. Ah oui? Vous êtes sûre de ça? Je viens de vous le dire, je suis repassée chez moi. Pourquoi je vous mentirais? Pourquoi? Ce même témoin nous a dit aussi que Lizzie avait passé 20 minutes dans votre bureau. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle voulait continuer votre dispute, hein? C'était à quel sujet d'ailleurs? Vous voulez bien nous le dire? Ça n'a rien à voir avec cette histoire. Si votre mari agressait sexuellement sa nièce, alors ça a tout à voir, au contraire. C'était il y a longtemps. Et ce n'est pas vrai. Votre nièce Zara m'a fourni son témoignage. Selon elle, l'accident s'est produit parce qu'elle se débattait alors qu'il voulait l'agresser. Non, elle dit n'importe quoi. Jamais il aurait fait ça. Il ne s'est rien passé avec Zara. Et donc vous ne vous êtes jamais demandé ce qu'il faisait sur cette route ce jour-là, quand ils ont eu l'accident? C'était pas exactement le chemin le plus court pour aller à la ferme. J'ai pensé qu'il avait trop bu et qu'il avait pris la mauvaise route. Non, vous refusez de voir la vérité en face. Et sincèrement, je peux le comprendre. La dispute avec Lizzie, c'était pourquoi? Elle voulait que je quitte la famille. Elle m'a dit qu'elle ferait en sorte que tout le monde me raye de sa vie. C'était il y a longtemps. C'est ce que vous avez dit. C'était il y a longtemps. Est-ce que ça s'était déjà produit? C'est pas bien de faire ça alors qu'il est plus là pour se défendre. Ryan n'était pas un pervers. C'est à cause d'elle. Ferme. Est-ce pas vanné devant lui en petite tenue pour la guichet? C'est elle qui lui a fait des avances. Il avait rien fait de mal. Et pourtant, c'est nous qu'on a jetés dehors comme des malpropres. Vous croyez que Lizzie était au courant pour faire... Bien sûr qu'elle était au courant. Pour quelle autre raison Ryan et Rose se seraient-ils fait virer de la ferme, hein? Alors, quand Zara est venue lui raconter qu'il lui était arrivé la même chose, la pauvre femme a dû complètement disjoncter. Il faut absolument que je parle à Fern, mais elle décroche pas. Le numéro que vous avez demandé... Et là, elle vient d'éteindre son téléphone. Ah, Zara, ma chérie. Bonjour. Je voudrais juste discuter un petit peu avec ta sœur. Elle vient de partir à l'instant avec les filles. Vous êtes prête, on va juste faire une petite balade, d'accord? Qu'est-ce que vous lui voulez? Dis-moi, Zara. Je sais que tu as tout raconté à ta mère, mais... est-ce que tu t'es confiée à quelqu'un d'autre au sujet de ton oncle Ryan? Juste à Fern. C'était mardi dernier, elle a été super. On a parlé toute la nuit. Le lendemain, j'ai dormi jusqu'à midi. Ah oui? Elle m'a réveillée avec du pain perdu. C'est ce que je préfère. Et tu sais où elle a pu emmener les filles? Sans doute à Wellstone Point. Oui, elles y vont très souvent. Non, c'est pas... Je suis désolée, ma puce. Ici le sergent Ely. J'ai besoin de renfort à Wellstone Point. Le suspect est une jeune femme de type caucasien. Elle a deux enfants avec elle. Surtout pas de sirène. On ne sait pas dans quel état d'esprit elle peut être. C'est sa voiture. Elle est là. Elle a l'air effrayée. Oui, je vois ça. Reste où tu es. Je veux juste discuter un peu, mon petit. Et je suppose que toi aussi, tu en as envie. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, ma belle. Écoute, est-ce que tu veux bien que le sergent Ely s'occupe des filles, hein? Comme ça, on pourra parler. Je crois que je dois avoir un peu de chocolat dans la voiture. Allez-y. Par ici, venez. Faites attention, ça glisse un peu. C'est fou ce temps. Il n'y a plus de saison, on dirait. C'est le microclimat. Bon, écoute.
Je sais ce qui s'est passé. Avec ton oncle Ryan, quand tu étais plus jeune, ta tante Rose l'a laissé échapper. Rose a toujours cru que je mentais. Grand-mère n'a pas mis papa au courant. Elle a dit qu'oncle Ryan et Rose allaient partir de toute façon. Et que je le verrai plus jamais. Elle a préféré mettre ça sous le tapis. Garder ça secret. Grand-mère a dit que c'était ma faute. Elle a toujours protégé Ryan. Pas moi. Son fils. Je pouvais plus rester là. C'était insupportable. Oui, et donc tu es partie, et je te comprends. Et en ce qui concerne Zara, maman m'avait promis qu'elle ne laisserait jamais s'approcher de Zara. Mais il l'a fait. Et maman a fait comme avec moi, c'est-à-dire rien. Ah non, elle est allée demander des comptes à ta tante Rose sur ce qui s'était passé. J'étais pas au courant. Donc, si je comprends bien, tu as donné rendez-vous à ta mère, ici, mercredi dernier, c'est ça? Maman était déjà là quand je suis arrivée. Je lui avais dit que je voulais la voir dans un endroit tranquille. Je voulais qu'on parle. C'est tout. Maman avait pas l'air bien quand je suis arrivée. Et dès que j'ai mentionné Ryan, elle a eu l'air agacée. On aurait dit qu'elle voulait pas du tout parler de ça. Elle voulait seulement qu'on parle de papa. Alors, je l'ai attrapée par les épaules et je l'ai secouée. Je lui ai dit, tais-toi, stop, écoute ce que j'ai à dire. Mais elle a fait demi-tour pour s'en aller. Elle a commencé à remonter les marches. J'ai pas pu dire un seul mot. Et là, je me suis dit non. Non, ça va pas se passer comme ça. Tu vas pas encore garder ça secret. De quel droit tu t'en vas sans que j'aie même pu te parler? J'ai attrapé son sac pour l'empêcher de partir. Mais la boucle, elle s'est cassée. Alors, j'ai paniqué. C'était trop affreux. J'ai essayé d'effacer tout ça. Sauf que c'est très difficile à faire. Je vous jure que si Zara avait remarqué quoi que ce soit chez moi, n'importe quoi, je lui aurais dit, mais elle n'a rien dit, alors j'ai juste... Tu as juste mis tout ça sous le tapis. J'aimais ma mère. Je vais devoir t'emmener au poste, mon chou. Allez, viens. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Grand-mère le dira jamais à papa. Mais il doit être au courant. Pour Zara. Vous lui direz, s'il vous plaît. Dites-lui que je suis désolée. Fern m'a demandé de vous dire qu'il ne devait plus y avoir de secret entre vous. Et je sais maintenant que Lizzie voulait la même chose. Elle voulait que ça change. Et que dorénavant, plus rien ne soit caché sous le tapis. Viens, ma chérie. Je suis là. Je ne sais pas du tout quoi lui dire. Ni à lui non plus. Eh bien, vous feriez mieux de réfléchir à quelque chose. Parce que ne rien dire, c'est un choix. Et qui pèse très très lourd. Vous pourriez commencer par « Je suis désolée ».